Nous vendons une solution clé en main pour les entreprises qui leur permet de gérer leurs produits en vendu et leurs surplus liés à leur production. Le problème, c'est financier. Donc, le fait de produire des déchets, c'est un coût pour l'entreprise, donc ça leur coûte de l'argent. Et de l'autre côté, c'est environnemental, donc toutes les problématiques liées au gaspillage et à la production des déchets qui ne sont pas utilisés. Nos clients sont principalement des entreprises qui travaillent dans la distribution, dans la grande distribution, dans l'agroalimentaire, et aussi dans des secteurs de l'événementiel, des fabricants, donc tout type de produits, et qui produisent en grande masse des biens. L'innovation principale, c'est une plateforme qui relie les émetteurs et les récepteurs et qui permet de les mettre en relation directement, créer des alertes pour que les associations passent chercher les produits sur les entreprises et ensuite avoir des données consolidées, c'est-à-dire savoir qui a donné quoi, quel endroit, combien, etc. L'avantage qu'on a, c'est un accompagnement adapté à chaque entrepreneur et une solution proche, de proximité. On ne va pas juste faire une mise en relation, sinon qu'on va les accompagner chaque entreprise avec ses problématiques et chaque association avec ses problématiques également. Donc on essaye de faire en sorte que tout se passe bien sur le terrain et que tout le monde soit gagnant dans cette mise en relation. Ce qui, au départ, est un coût, mais non devient un bénéfice pour l'entreprise. Phoenix existe depuis le début de cette année, 2014. La prochaine étape pour nous, c'est le déploiement en région. On a de plus en plus de besoins, des acteurs qui nous appellent en région. On est en train de se déployer déjà en Bretagne. Les prochaines étapes seront dans Annecy, donc la région Rhône-Alpes, etc. Et le sud-ouest de la France aussi.